mais il nous laisse un lourd héritage. Le meilleur chemin pour honorer la mémoire du cardinal Laurent Mostengo, c'est sans doute ce que nous faisons aujourd'hui avec solennité, avec dignité. Mais l'hommage le plus important que nous apporterons à ces grands hommes qui nous quittent, c'est de continuer son combat et d'accomplir l'œuvre de Dieu pour notre humanité.
Robin Bakotinata. Tata Cardinal Laurent Mosengo Passigna, c'est une figure emblématique au Congo. Et non l'église seulement au Congo, au Congo, mais même en Afrique. Et vous avez le suivi comment de l'église même le pape et certains cardinaux d'autres pays ont envoyé des messages de condoléances. Ça veut dire que c'est une figure à la fois triple, je peux dire. C'est une figure scientifique, pastorale et aussi une figure politique. Qui a su mener un combat de la justice, un combat pour la paix, mais aussi un combat pour la réconciliation. En tant que figure scientifique, vous savez, en tant que président du Conseil épiscopal du Congo, il était aussi président du conseil d'administration d'une grande université ici au Congo, l'Université catholique du Congo. Et vous êtes sans ignorer le niveau, les niveaux des prestations des professeurs, mais aussi le niveau des prestations des apprenants. Il a su bouger sur le plan social, mais aussi sur le plan politique. Par moments, il était incompris parce qu'il était intransigeant. Derrière une petite voix assez tendre, on sentait la rigueur. Il était au fond pour protéger les minorités. Il était au fond pour la paix, pour l'unité, pour la réconciliation. Bref, c'est un exemple de voir un politique qui prêche la politique et qui est au front pour la politique. J'ai beaucoup appris de lui.